Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. Alors, c'est parti pour les débuts de Gran Turismo 7 sur PS5. On va voir ce que ça va donner le jeu ensemble. Alors, on va voir. Ensemble, bienvenue dans Gran Turismo 7, configurant les commandes de base. Ok, touche directionnelle, touche de gauche, droite, ok, fonction de détection de mouvement. Ok, on va utiliser le premier, les touches joystick de gauche. Ici les touches associées à l'accélérateur et au frein. Alors R2, L2 pour R2 pour accélérer, changer de vitesse en mode manuel avec la touche X et la touche. On utilise aussi le premier recommandé, donc c'est celui-là. Ensuite, choisissez un type d'assistance à la conduite que vous souhaitez. Débutant, intermédiaire. Ok, on va utiliser le premier. Conduite automatique non. On va utiliser l'intermédiaire. On ne sait jamais. C'est pareil, peut être modifié à tout moment via le menu des paramètres d'assistance. On va utiliser intermédiaire. Pas les paramètres d'assistance peuvent être ajustés en fonction paramètres d'assistance dans le menu pause. Appuyez sur les touches d'option lorsque vous pilotez pour ouvrir le menu pause. Allez essayer. Bon, il est temps de mettre le pied au plancher. Alors, démarrer, comment jouer, classement, paramètres, ok. On va démarrer, hein, pourquoi pas. Alors, on va continuer. Ok, conduite. Ok. 3, 2, 90, 90. D'accord, on va voir ça ensemble. Comment il joue le jeu de freinage. Ok. Là, on continue en appuyant sur R2. Et L2 pour freiner, donc R2 pour accélérer et L2 pour freiner. Allez, c'est parti. 65, 62, 61. On freine un peu. On freine. On va se prendre les virages et le décor. On continue, freinage. On freine. Voilà. On continue. Tout droit. On apprend à rouler la voiture. Qui est pourquoi pas. On apprend tranquillement les bases du jeu. Alors on freine. Il s'est demandé gentiment. Allez, on va continuer à tourner. Alors, 807 000, ok. On accélère. On va voir ce que ça va donner. On accélère un petit peu. Ouh. Attention. Ralenti. Et voilà. Alors, 3000. Ouais. Alors, on accélère. Attention à toi. Presque 4000 mètres. Allez, on accélère. Donc, il faut faire 8800 tours. Avoir l'heure.
Retour automatique. 18, 44, 45, ok. En fonction de la musique, il y a le temps qui s'affiche. Une sorte de chrono. Ah, avec des checkpoints quand même. C'est intéressant tout ça. Alors on peut continuer à accélérer. Attention à la voiture. On freine. Freinage. Ok, hors piste. C'est pas grave. Allez, on continue. On utilise le checkpoint. Encore, 30 secondes. Trophée remontée fantastique obtenu. Donc, la remontée fantastique. Qui consiste. Remontée fantastique. Le premier trophée obtenu dans le jeu. Pour ma part. Remontée fantastique. Consiste exactement un instant. Où est-ce que tu te caches? Trophée remonté fantastique. À gagner 5 places ou plus en un seul tour. Qui est tout de suite à la première course. Qui peut être combiné avec le trophée loin devant. Et le trophée loin devant a gagné une course d'au moins de tour avec une avance de 10 secondes ou plus. Et celui-là, on verra le moment venu quand on le fera. Pour l'instant, on peut être très fier d'avoir eu le premier trophée remonté fantastique à gagner 5 places ou plus en un seul tour. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo. À la voiture, on freine, freinage. Ok, hors piste. C'est pas grave. Allez, on continue. On utilise le checkpoint. Encore, 30 secondes. Trophée remontée fantastique obtenu. Donc, la